Incroyable, incroyable les amis, nous revoilà, on est parti pour la suite de l'aventure. On arrive donc dans la ville, je n'ai oublié son nom. Ah, j'ai les réflexes, je bouge la caméra, ça ne marche plus. C'est très frustrant. Et coucou! Comment ça va, Pierrot? Je suis là depuis environ d'hier, quoi. Tu m'as quitté pas trop bien. Alors, l'état sauvage s'en jette, hein. Mais vous devez être lessivé, tandis que tu as fait toujours sur Pokémon. Et un truc qui devrait t'intéresser maintenant que tu es dresseuse. Ah, Infotisma est disponible. Je t'explique. Infotisma est un système d'information très pratique pour les dresseurs. D'ailleurs, on peut aussi s'en servir pour personnaliser ses cartes de Ligue Pokémon. Oh, trop bien. Tu devrais essayer, c'est marrant. Tiens, je te donne une fois que ça, des fois que ça m'inspire. Vous avez obtenu la carte de Ligue de Tarak. Vous rangez les cartes dans votre album de cartes de Ligue. Oh, c'est du panini! Rendez votre carte de Ligue unique au monde pour la personnaliser. Allez dans n'importe quel centre Pokémon et utilisez le studio carte. Runitox. Centre Pokémon et utilisez le carte. Cela vous permettra également de le mettre à jour avec les dernières informations de votre parcours. Tout est récent pour des cartes de Ligue qu'il est possible d'échanger en réseau. Ouvrez le menu principal avec le bouton X et sélectionnez les cartes de Ligue puis album. Admirez les cartes que vous avez obtenues. Oh, c'est du panini avec des autographes. C'est grand, mon Torbi, hein. T'inquiète pas, je t'ai visité. Rejoins-moi dès que tu auras trouvé tes Pokémon. J'ai pas envie que tu me fasses visiter. Là, c'est l'ouverture, ça m'appelle des souvenirs. J'oublierai jamais l'excitation de tuer mon premier combat sur ça dans du stade, c'est trop bien. J'ai l'air dans la hype, ouais, je joue à Pokémon quoi. Moi, j'essaie d'animer le stream, tu sais. Salut, que veux-tu faire? Je vais au studio carte. Recréer une nouvelle carte. Parfait. Oh! Parfait. Trop marrant. En bleu. Mais c'est trop bien! Elle mange! Bouge pleine, ferme les yeux. Oh là! Mais quel plaisir! Faire des choses de fou! Je la rends triste. C'est bien ça. Pas des restes. Elle est énervée. Elle est pas contente. Elle est très énervée. Oh là, les cookies. Je la rends triste. Excellent. C'est bon là, on est bien hein. Petit filtre mat. Ok. Et là j'ai une carte, non. C'est quoi ça? Ah mais j'ai pas envie de jouer en ligne. Poké camping. Je fais ma tente. Vous pouvez vous lier d'amitié avec vos Pokémon en jouant et mangeant ensemble. Or, oh, avec les Joy-Con. Détachez un Joy-Con et secouez pour lancer des Pokéballs et agiter le Poké Plumé. Ils peuvent vous rejoindre lorsque vous essayez, pourtant. Or, oh. Magikarp. Oh oui! Attends, 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 prends le Joy-Con. Je prends le Joy-Con. Il y a 25 trucs. Ah, trop bien! Comment ça marche? Allume-toi!
On a défaut sur Joy-Con. Bon, c'est pas grave. Attends. Oh, il s'amuse. Oh ouais, vas-y, amuse-toi. Oh, regardez-le, Chris Acier, il joue avec la Pokéball. Il joue avec la Pokéball. Énorme. Oui. Vous êtes les plus beaux de l'équipe. Le reste, c'est des générations après. Nous, on est des vieux cons. Oh, Zigzaton, il vient jouer avec nous. Mais ils sont si heureux. Oh, oui. Viens là. Vas-y, décale-toi. Viens là. Oh, oui. Vas-y. Papoton. Magikarp a l'air d'être à plat et d'avoir faim. Oh, dis-moi en plus. A l'air en pleine forme. Dis-moi en plus. S'intéresse à vous. On joue plus tard. Oh oui, il est content. Oh là là, mais c'est le meilleur. On va cuisiner. Les ingrédients et des baies pour cuisiner. Ah, il faut des baies. Cuisiner. Est-ce que j'ai des baies pour cuisiner? Oh oui. Petit goût pimenté. Hop, on met la baie au rang. Allez, c'est parti, on cuisine. Le feu, faut allumer le feu. Oh, regarde, Zigzaton, il est heureux à droite. Oh là, on se régale. Allez, on mélange fort. Donc c'est des trucs qui rajoutent pour avoir un côté amusant, mais que ça qui me ferait grave chier. Ah, bah je sais pas, mais regarde, ça me dit bien, là, moi je prends un plaisir. Hein. Oh là là, oui, on touille. Oh, le repas, il est prêt. Une poignée d'amour. C'est prêt, les amis. Pourquoi le Pokémon Plante va se faire foutre, hein, il mangera jamais avec nous. Ah, vu qu'il est KO. Curry épicé. Deux assiettes. Oh, les Zigzatons, comment ils regardent avec amour. Oh, Zigzaton. Ça a prouvé par Culbut, ok. La moitié de PV a été restaurée. Quelques points d'expérience. On a eu des points d'expérience. Oh là là. Mais Nintendo, vous nous régalez, hein. Merci, hein. Merci pour tout ça, hein. Pourquoi je vois Pokémon qu'on peut faire ça? J'ai envie de dire, voilà, au bout d'un moment, on n'est plus des animaux, mais bon. On peut leur mettre des petits jouets, quoi. C'est rigolo. Je savais pas que plutôt que t'es redemandé en cuisine. Eh bah il paraît. Merci d'avoir attendu. Je voudrais retrouver la santé. À bientôt. Oh, c'était super amusant. J'ai regardé, c'est... Il y a un petit badge là sur la droite. Là, regardez. Trop bien. Oh, c'est génial. Je vais l'esquiver. Je fais le tour pour l'esquiver. Il y a un objet là-bas. Petite pépite. Dans la rue, comme ça. Peut être vendu à bon prix. Moteur bien dans une ville, incroyable. Tu sais qu'il y avait un ascenseur pour passer d'un quartier à l'autre. Quoi? Ah mais ils me bloquent en disant ça les mecs. Je suis obligé d'aller visiter la ville avec l'autre con là. Oh là là. Ah non, c'est pas vrai, c'est fait ça, t'as traversé l'hiver sauvage. Tu te souviens de ce qui t'amène à Moteur Bill, n'est-ce pas? Oh là là, c'est le défi des arènes enfin, la série de voiture est demain. Eh ben on arrive plutôt au bon moment, j'ai l'impression. On jouera demain du coup pour la faire aujourd'hui. Oh, le stade de Beauton, je la trouve dégueulasse la ville au passage. Je sais pas si vous aimez ces villes un peu... Les vieilles villes mais de travail de l'époque, tu vois. Je trouve ça super dégueulasse en style. Dans les stades de Motorby. Petit Onyx. Pour tirer, c'est pas compliqué, faut te rendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale. D'accord. Ah, c'était ça ta visite. Faire un petit shopping. Va t'inscrire au stade. C'est quoi, un petit proche le premier? Oh. Ah bah non. Starbucks. C'est parti. Je vais au Starbucks, s'il vous plaît.
Bonjour. Oui. Oh merde. Josh le barista. Oh, ça avec de l'espresso. Le roi Napitrini. Oh oui, insecte. Oh, vous inquiétez pas, hein, je connais le match-up. On va faire trancher. Oh non. Non, ça fait mal ça. Ah merde. Ouais, il faut que je counter pick. Alors attendez, on va mettre... je pense mini singe, c'est le meilleur choix. Il est vol insecte ce truc. Là on est bien. On est vraiment bien. Tension. Attention. Piqûre. Aïe. Ce n'est pas très efficace. Pique, pique. Non, ça c'est efficace normalement. Ah, il est plus rapide que moi. Quelle vie. Là normalement ça fait mal. Aïe. Mon expérience n'était guère trompeuse. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Oh là 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 là, mais quel génie ce Pyro. Et la Pitrini qui est KO. Et Minisange et Wistampo qui montent de niveau. Il fait quand même plus d'XP quand ils combattent. Hein. Malgré tout. Et on a battu Josh. Oh, c'est assez doué avec ce qu'il a de goût. Moi je voulais un café à la base. Café grand bulle. Et il me fera café grand bulle. Une petite bouteille de lait meumeu. C'est pour soigner. Ça sert à rien pour l'instant, j'ai pas sans péter bonjour. C'est agréable. Un petit café avant d'aller bosser, j'ai pas à dire, c'est pas attendre les Pokémon. En renforçant le chantier. D'accord. Les phrases n'ont pas de sens entre elles. Oud. Bravo, Oud, ne dis pas non. Ah, moi on a reçu, mais moi je fais un sucré. D'accord. On va partir à cet endroit bizarre. Hein. Starbucks, c'est pas trop pour moi. Allez, on va acheter des coques pour le téléphone. Eh ben, génial. Les disques techniques sont du vintage avec des capacités rares. Oh, c'est les CD de l'époque. Très bien. Ils ont refait le système. Alors, Nintendo avait fait les CT, CS, c'était infini, CT, tu pouvais les casser. Ensuite, ils se sont dit, bon, c'est chiant, les CT, on va les mettre infini. Ensuite, ils ont dit, bon, CS, ça sert à plus rien, ça va devenir des CT. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plus que les CT qui sont infinis. Ils ont recréé les disques techniques qui sont utilisables une fois. Mais c'est des putains de génies. C'est incroyable. C'est incroyable. Quoi faire? Salamèche. Incroyable. Incroyable. Petite coupe. 3000 euros la coupe. Ah, pas mal la longue hélice. Ok. C'est une franchise de coupe de cheveux. Oh. Oh, oh, trop bien. Oh, il y a du choix. Violine. Blanc. Vert. Oh, vert. Rouge. Je pense que du rouge, c'est rien. Petit cheveux rouge, là. Rose, ça donne quoi? Rose, c'est pas mal, hein. Rose, c'est pas mal du tout. Hein. J'aime bien rose. Ok. Pas sur des cheveux roses, du coup. Tu remets la petite mèche sur le côté, fouffée de frange. Long, plutôt. Je sais pas quelle coupe faire encore, en fait. Coupe mi-longue ondulée. Deux tresses, c'est bizarre. Coupe longue hélice. Je pense qu'on part sur ça. C'est pas mal ça. Et allez, ça copie mes cheveux. Mais non! Toi, t'as les cheveux foncés, là, ils sont clairs.
Rien à voir. Plutôt pas mal, je trouve. Ah! Ouais, je vais porter le chapeau aussi. Oui. Est-ce que ça vient genre ma carte de ligue? Oh là là, regardez, elle est déprimée. Peut-être sauvegarder. Au cas où. Petite sauvegarde. 1h49 de jeu. Et voilà. On est prêt maintenant. Il restait plus que les cheveux à faire. Déjà qu'on l'a prise brune au début. Pour au final se faire une couleur. Yes. Encore un grain de fringue. J'ai ce qu'il faut en fringue. La vitesse, c'est important pour t'accompagner. Merci, connard. Allez. Ce petit qui est quoi après? Encore un truc de disque. Une petite paire de bouchons. Contrôler librement le volume sonore de divers éléments. D'accord. Alors attends, c'est quoi ces disques bouchons? Moi je suis intrigué maintenant. D'accord, on peut pas. Bonjour. D'accord. Encore des... Beaucoup de vieilles boutiques, hein. Allez, prenons l'ascenseur. Et salut à tous. Merci mon gros. Je m'étais perdu sur la route 2. Salut Pierrot, la forme. Je vois que tu me montres digne de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà, tu pourrais retenir ça à tes Pokémon. Une petite canne miracle. En gagnant plus de vie que moi, de la puissance des capacités de type plante. Alors, vite prendre l'ascenseur, le stade de Motorbit attend. Donc bien sûr, hein, il va falloir donner l'objet. Ah, attends, c'est objet de combat, on s'en fout. Objet. Ah oui, c'est un pot. Wouhou! Oh putain! Les vaches, ils ont pas bougé. Ah, il y a une Pokéball, il y a un monsieur Pokéball. Je vais lui parler. Mimic. Ah, d'accord. Oh, t'es là! Le stade de Motorbi. C'est là que le Sayon Adventure aura lieu. Si on se met la télé, tu te rends compte? Peut-être que vos mamans vont nous voir alors qu'on est parti il y a 20 minutes. Bon, ça, qu'est-ce que j'ai? Le monde entier va nous voir. Oh, quelle pression, ouais! Oh, je tremble, comment j'en stresse là? C'est pas du stress, juste, j'en suis surexcité! Viens, Pierre, on fonce! Allez, Nick! Je voulais parler de monsieur Pokéball, moi. Tadam! Tu as le Pokéball? Balissimo! J'ai un cadeau pour toi! Oh oh! Prends de la balle! Merci. Et nique-toi, l'enfant! Le bal masqué. Ohé, ohé! Petite référence pour que les enfants n'auront pas. Au passage, on remercie Nintendo pour leur petite blague. Pour les vieux joueurs, toujours un plaisir les traductions. Bravo Nintendo. On voyait à la recherche des blagues sexuelles aussi cachées. Non mais c'est bon. Allez au stade, je suis au stade. Bon, il n'y a rien ici. Ok, là. Ah, avance. C'est pas petit, hein. Grand bâtiment. T'as vu ça? Je viens de dire partout. Quand je pense que ce sont nos rivaux. Enfin bref, à vous de nous inscrire. Trop tard. Bonjour. Elle pousse même pas la vieille. Colosse. Ce problème, hein. Ah, c'est un monsieur. C'est pour le design. Vous êtes dans la convention, s'il vous plaît.
Je suis recommandé par le maître en personne. Oh, c'est la première fois que je vois ça, énorme. Moi aussi, je suis recommandé par le maître. Deux personnes, mais qui êtes-vous? Des célébrités? Moi, c'est Nabil. Je suis le petit frère du maître. Je suis PSV. Ah bah oui, ça triche. Ah bah c'est bien quand t'es pistonné. Juste un instant. Votre numéro de dossard. 17. Rose bouton d'or. Le président de la ligue. Yes! Je sais pas où je dois aller. Vous avez un peu différent les arènes qu'on connaît classiques. Peut-être qu'il y aura du coup un mini tournoi à chaque arène. On verra. Suspense. Excusez-moi. Vous êtes bien Pierrot, le challenger. Le rose bouton d'or dans cette direction. Je vais vous y amener. Suivez-moi. Attends-moi. Si tu m'y amènes. Tu viens de me dire que tu m'y amènes, tu m'attends pas. Salaud! Nous voici au rose bouton d'or. Reposez-vous bien et ménagez vos forces pour que les combats qui vous attendent. Au revoir, je suis musclé. On va dire comme ça. Ouvrons la porte. Salut les rosiers et sœurs, c'est bon, vous êtes inscrits? Hé, hey, Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? J'enquête sur le mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse? Bah écoute... Pourquoi pas... C'est que j'ai... C'est quoi ça? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar il y a très longtemps. Vous voulez connaître l'histoire? Un résumé... Il y a fort fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la Nuit Noire. Des Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros, armé d'une épée et d'un bouclier, les a tous vaincus sur Age of Empire. D'ailleurs, j'ai acheté le 2, en fait, je sais pas si je le streamerai ou pas. On verra. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Ah ok, en tout cas, le héros, il en jette. Hein. Il devait être fort comme mon frangin. En tout cas, tu as du pain sur la planche, Sonia, faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les armes et tout. Ça va aller. Bon, on verra bien. C'est ça la vie de chercheuse. Vous dormez à l'hôtel, c'est ça? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin, ils ont l'air pas mal occupés, là. Ça marche, et si on trouve quelque chose, on vous prévient. Allez, un bisou. Oh! Oh non, les hooligans! Comment ça, y'a pas de réservation de la chimienne? Ça fait tout le trajet! Juste dans cette ville de Bourges! Pour envoyer notre choupinette en plus! Faudrait payer pour une chambre! Faudra nous battre pour nous faire partir! Ok, si vous insistez. Mais. Je suis embrouillé, c'est ça? Nous, ici, pour faire la meilleure des épisodes, ok? Et nous, on est les meilleurs des supporters, alors j'ai pas fait ta main longtemps. Le sbire de la team Yel veut se battre. Le sbire. Hein. Qui c'est Xaton? Moi je fais le jeu fou Louis Tempo, hein, vous savez, je suis parti là. Allez, Xaton, on va lui faire un coup de trancheur, ça va le calmer. Niveau 9, de toute façon. Ça devrait pas être trop dur. Hein. Et le one shoot, même. Encore plus simple que ça. Allez, monte au niveau de goupil luminiscence, crise acier. Il est un peu ridicule, bah c'est un hooligan hein. Je lui signe, j'aurais pas dû le provoquer. Ah oui, avec ça. C'est pas grave. La chimie me vengera. Salut. Ah, ah. Réponds, j'étais le pompe-bourge. Je te dis oui. Le sbire de la chimie veut se battre. Hein, goupilou. Oui, c'est un peu... Go!
utilise Vive Attaque. Je les ai même pas soignés mes Pokémon depuis tout à l'heure. Je pense que ça devrait aller. Allez, on fait un shot, hein. One shot tous les Pokémon. Le Magikarp, il prend du temps à monter de l'XP par contre, hein, ça va être long. Allez, on a battu Madame. Donc, de bourge, ça, ding ding, ça m'a déconcentré. C'est trop bourge ici, je peux me battre sérieusement avec tous ces gens de la ville. Dis donc, c'est une aventure dans un hôtel ou quoi? Attends, en fait, t'es quoi Pokémon? Trop bien, ça me ferait ça aux entraînements. Faut que je sois Pyro, je fais ton équipe. Ah bah yes. Sautez, bon, c'est Nabil. Challenger, je peux essayer de devenir le prochain maître pote. Tu te comptes deux? On va vous montrer que c'est de vrai supporter, on est pas plus heureux après. Team de V2. Le petit tutoriel de V2. Hein. Le sbire de la team Yel et la sbire de la team Yel veulent se battre. C'est parti pour le 2v2. Donc les hommes ont le zigzaton, les femelles ont le goupilou. Tout se passe bien. Ah, regardez le petit mammouton. Niveau 10. Hein. En plus, je peux attaquer les deux en même temps. C'est craqué. Allez, merci hein, pour l'utilité. Ah, ça les tue pas. On ne les aura donc pas. Allez, ça tuera le goupilou. Ouf. Ah, bravo. Tu as baissé notre attaque spéciale. Du coup, je vais faire griffe. J'ai attaqué le sbire qui n'existe plus. Mais c'est pas grave, le jeu a compris. Le jeu est intelligent. Le jeu est beau. Zbip. Merci d'avoir été utile, Rachid. Oh là là. Et ben dans ce cas, il faut se calmer et payer votre hôtel peut-être. Et ceux qui ont l'histoire, c'est nous. Mais il se passe quoi ici? Rosemary. L'enfer, je sais pas pourquoi je te défie d'un acteur les gars, mais la violence, c'est pas la solution. Clairement pas. Désolé, ils sont fans de moi. Ils se sont trouvés le son de Chiniel. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être relous parfois. Quoi, ils parlent comme ça devant eux, quoi. Ça suffit les bêtises, rentrez chez vous. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent... Et du coup, les mecs qui ont rien branlé pendant cette histoire... Les mecs qui n'ont rien branlé, ils partent s'enregistrer avant moi. Qu'est-ce qui se passe, M-Bubs? Ok, Challenger, je suis désolé, je m'excuse pour eux. Oh, trop cool, t'es une Challenger aussi. Et t'as plein de supporters dans mes tout, je trouve ça sonne bien, la team Yel. Devrais-je l'acheter? Est-ce que t'aimes Pokémon? Bienvenue à l'hôtel Rose Bouton. Vous êtes intéressé à ce premier défi de Paris, c'est bien cela? Oui. Monsieur Pierrot, voilà, la ligue est réservée à votre chambre maintenant. Comme merci pour ta réparation salvatrice tout à l'heure. Faut une excellente séjour chez nous. Je parle très mal. Kinda, Sulta. Ah. Après, honnêtement, ça reste un bon jeu. Je pense que l'aventure est très simple de ce que je vois. Mais ça a l'air, je trouve, moins chiant que Lune et Soleil. Je m'étais vite ennuyé dessus. Là, j'ai l'impression quand même de jouer. Il y a une histoire qui est un peu plus intéressante. Je sais pas, ça me passionne un peu plus pour l'instant qu'une soleil. C'est pas mal. C'est pas mal le meilleur Pokémon, je dirais, mais c'est pas mal. Grand jour est arrivé, notre histoire va commencer. Viens, Pyro, sur la gauche, au sein de Motor Tibi. J'arrive toujours pas à dire ce qu'on dit. Vraiment, il est sympa. Il est pas aussi moche qu'on le dit, c'est pas beau, hein, mais. Et on peut faire ça. Et rien que pour ça, c'est un bon jeu. Très cher Challenger, la cérémonie d'ouverture va commencer. Souhaitez-vous que je vous accompagne jusqu'au stade? Non. Merci. Et il s'excuse. Bouffon. Ah, chemin du stade très compliqué. Voilà, le stade est là. Merci à tous. Tout... Du coup, c'était bien Pokémon, je pense que ça reste un bon jeu à faire. Sauf que les Pokémon sont beaucoup moins mémorables qu'avant.
Ah. D'accord. Bah, je vais me changer, écoute. Hein. Ah mon dieu! Ah mais j'ai le numéro 17 et ça, ça vaut le coup les gars. Le plan qui est foireux parce que j'ai changé ma coiffure. Mais bien sûr que c'est un excellent choix. J'en doute pas. Tu m'as convaincu, je prends ton conseil au-delà de tous les autres. Ah, mais en vrai il est cool. Non, il est cool, ça va. Après je suis qu'au début. Hein. Là je suis à la première arène. Donc je vais pas te donner un avis fiable. Mais en vrai ça va. T'as une ambiance sympa qu'ils ont réussi à créer en fait, malgré tout. Mesdames et messieurs, cher public, je suis Seroz, le président de la Ligue Pokémon. Je sais que vous n'entendez qu'une chose, c'est que je change la caméra. Le public chez vous devant la télé, sachez que l'entente touche à sa fin. Le défi des arènes de gala va enfin commencer. Le défi des arènes, on attend que Pierrot et Nabil arrivent à chaque fois, mais très bien. Il y a 8 champions affrontés et 8 badges. Seuls les dresseurs qui réussiront ce défi seront dignes du plus grand honneur. Participer au Pokémaster et ainsi avoir une chance de défier le maître de Gala. C'est fait, si c'est pas mort, je te tiens uniquement responsable. Cool. Champion d'arène, approché. Tu prends en émat ou tu vas le chercher en boutique? C'est ça la question. Ah mais encore systématique. Le fierté des fermiers, Percy, le champion de type plante, le tsunami lapis lazuli, Donna, la championne de type eau, les flammes de la détermination brûlent dans ses yeux, Kabu, le champion de type feu. Le roi du silence, Alistair, le champion du spectre. Coup de théâtre et féerie, Sally, la championne de type fée. La tempête de neige, Luna, la championne de type glace. Un adversaire draconien, Roy, le champion de type dragon. Un des champions qui a pu se joindre à nous. Mais voici déjà ce qui fait une bonne idée, les amis. Acclamez les champions, la gloire de Galar. Il y a eu Nitox, c'est Nitox qui manque. Nitox n'est pas là. Il manque donc Nitox dans cette aventure. Il n'y a pas de branche, c'est une lunette. Allez, un petit match de baseball, les gars. C'est parti. Ah bon, c'est un vrai match de foot là. D'accord, ça c'est Chipar. Ça va quoi ce moment? C'est qu'une cinématique. On y était, on était en stade, c'est le feu des projecteurs. Oh putain, je suis en combat. Oh, j'ai le cœur qui bat à 100 l'air là. Nabil, Pierrot, vous voilà. Voici les deux jeunes personnes que commandent par le maître en personne. Bienvenue, enchanté, je me présente, Seroz, pour vous servir. Je vois que vous avez déjà un foyer Dynamax. C'est donc vos étoiles feu qui vous ont guidé jusque pas ici. D'ailleurs, savez-vous que c'est ma firme qui a développé les premiers modèles de poignées Dynamax? Eh oui, rien que ça, je suis riche. C'est formidable en tout cas de voir des jeunes dresseurs qui en veulent. Cette édition du défi des arènes s'annonce absolument grandiose. Tout gars dans le livret. N'oubliez pas que le défi des arènes est l'occasion idéale pour Dynamaxer vos Pokémon. Sur ce, je suis bien heureux, mais le devoir m'appelle et je suis contraint de filer. Amusez-vous bien, mais du coup c'est pas une arène, c'est quoi? On est où? Eh bien, il est vraiment de bonne humeur notre cher président. En tout cas, écoutez-moi bien les minus. C'était que le début de notre aventure pour vous. Si vous voulez gagner, il va falloir bosser dur. C'était pas le tout, mais dans votre équipe. Je sais que vous donniez de bons dresseurs. Au fait, Pierrot, pour réussir cette arène, il faut qu'on va battre les champions de chaque stade dans un autre précis. Comment ce de Greenbury, il n'y en a pas ici. Du coup, là, ça servait à rien à part s'inscrire. Prendre la route 3 pour y aller. Eh ben d'accord. Défi des arènes, c'est à vous rendre dans le 8 arènes de gala. Il faut vous parler remplir, blablabla, blablabla. Mange ça, daronne. C'était passionnant. Roi, on va aller vers l'est pour aller à la route 3.
Challenger Pierrot, j'ai un cadeau au moment où tu parles du président. D'accord. Quelle bonté ce président quand même, vous ne trouvez pas? Il a l'air chelou ce président, je trouve. Vous trouvez pas qu'il a... Beaucoup de trucs disent, ah il est trop bien, trop gentil, trop cool. Grâce à généreux don, vous pouvez donner accès au taxi... Taxi volant. Puis sur X, option carte et finir facile le lieu où vous voulez vous rendre. Et ouais, le taxi volant ça marche que quand ça veut. Hein. Salaud. Bonjour, 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 merci, merci. Hein. Merci à tous. Je suis pote avec le frère de Tarak. Ouais, bonjour, bonjour. Enchanté. Bonjour, bonjour, merci à vous. Hein. Merci bien. Hein. Quel plaisir. Au revoir. Merci, merci, merci. Oui, merci. Merci, merci. Merci. Merci, j'ai eu mon Pokémon il y a une heure. Voilà, merci. Oh. Low class. Ma seule déception avec Bubs dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de Dash Dance. Encore un centre Pokémon. Je vais aller là, Pokéball. Un petit mouchoir. On le ramasse, bien sûr qu'on le ramasse. Je peux juste faire ça, mais... Oui, pas d'âge d'un plus perso. Qui dit camping, dit cooking, c'est vrai. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Oh. Pardon. C'est la gare, c'est quoi ça? T'es en train de l'acheter là maintenant? Tu le prends en physique ou en démat du coup? Donc là, il y a une gare. Où je vais vous rendre? Nulle part. Tu donnes un... Okay. Mec, ils sont un coup de tête. Allez, let's go. On prend comme ça. On zone load et... S'il est nul, c'est la faute à Pierrot. Bravo. C'est marrant de jouer à Pokémon, en fait. Je réalise pas trop, mais on joue quand même à un jeu Pokémon sur télé. Alors certes, j'ai fait let's go avant, mais... Oh, j'ai l'idée du siècle, on se fait un combat. Ouais. Ouais, ouais, super. Quelle joie. Quel plaisir. Nabil, le dresseur, va se battre. Et d'un coup, on n'est plus en ville. Mais oui, c'est bien. Mange ta daronne. Je te bats chaque fois, tu sais. Hein. Lizou demande si toi aussi tu as envie de tuer ton rival. Ah! Je vais vous parler de moi sur la converse. C'est vrai qu'il parle beaucoup, mais bon, pas non plus lui en vouloir, ça arrive. Il aime discuter, il est... Bon, il est un peu nul. Oh! Ça triche! Non, je vais pas non plus le tuer quand même. J'irai pas dans ses extrêmes. Mais c'est vrai que bon, il est un peu... Il est un peu dur en affaire. Hein. Oh! Ils montent tous d'un niveau. Ils sont tous niveau 10. Mais je suis si fort, bordel de merde. Y'a plus de musique. C'est revenu. Là, par contre, c'est pas top le match-up. Je vais envoyer Zigzaton. Moi je veux mon Linéon. Je veux mon Linéon. Beaucoup à l'époque, mais mon 3DS est cassé et tous les meilleurs Pokémon sur XY. Comme j'ai plus accès, j'ai arrêté. Ah. Moi c'est vrai que je joue un peu en mode vraiment fun et posé en fait, là, genre de jeu. Je cherche pas forcément à faire des teams, à faire capturer tous les Pokémon, tout ça. Moi je suis plus au mode, je m'amuse, c'est cool. Ça fait quoi? Attaque spéciale baisse. Mais c'est nul. Moi j'avais pas joué à Lune Soleil, j'ai commencé, j'ai arrêté même pas au milieu du jeu, je crois. Faudrait que je me les refasse un jour Lune Soleil. J'avais recommencé, puis j'ai à nouveau arrêté. Tellement le jeu m'a un peu ennuyé, malheureusement.
Je sais pas si la Pokébank est dispo pour l'instant. Peut-être qu'ils vont la rendre disponible plus tard. Par contre, c'est la merde là. Oui, Goupilou. Goupilou, je sais pas si je vais le garder dans la team. Hein. Il m'a pas l'air fiable. Baston. C'est nul. Ah. 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 Allez, Shiny. J'ai un sulfure à Shiny. Quoi, les visages? Oh! Tu vois, il y a la VOD sur YouTube, c'est la dernière fois que je jouais à Let's Go. J'ai capturé un sulfure à Shiny. Depuis, j'ai sauvegardé, je n'ai pas lancé le jeu. Mais j'ai un sulfure à Shiny. Ça dépend de la puissance du Pokémon, c'est quoi? Oh! C'est si fort! Du coup, avec son chaos, c'est moins fort. Faut le faire en début de fight. C'est stupide, mais pourquoi pas? Allez, petit Larmoléon. C'est ce qui va se passer, hein. En coup de torpille, on repart sur Wistampo. Et... ah, mais tu t'y connais bien en attaque des types, dis donc! Oh, Wistampo! Il esquive là! Wistampo, il est chaud, hein! Il est trop vénère! Il est trop fort, Wistampo! Et voilà! One shot! Et voilà, je maîtrise grave! Hein. Il me le dit à chaque combat! J'ai envie de le tuer! C'est bon! C'est acté! Niveau 15, hein! Non! Oh, j'ai pas fait gaffe! J'ai mâché le bouton comme un débile. Oh, je suis dégoûté. Illusion! Trop bien! Énorme! Il ramasse du nectar chaque jour et la glutine sur ses poils de ses pattes pour le transporter jusqu'à son nid. Il apprend en tornade! Oh là là, Illusion! Oh! La carte de ligue de Nabil! Bah super. Est-ce que vous avez la carte de ligue de Nabil? C'est pour l'album Panini, les gars. C'est important. On va se soigner. Il est un peu triste, le renard. Je pense qu'on va le dégager de la team. Moi, je fais ça à l'ancienne. Sbille. Oh, c'est quoi ce menu dégueulasse? Allez. Désolé. Oh, pas plus, les grands. Vous vous restez pour l'instant. C'est ma team actuelle. Hein. Allez, on est parti. Sbili pipi, sbili pipi. Bonjour. Ouais. 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 Ça brille. Un gros champi. Il est populaire.
Caninos! Oh, je le veux. Caninos. Oh. Je le provoque. Ça ne sert à rien ce que je viens de faire. C'est la pire idée de ma vie. Oh. C'est du génie. Oh non! En jaune. Oh putain, je suis pas en jaune. Morsure. Non! Ok. Fais rugissement après, s'il te plaît. Oh non. Je vais mourir. Ça s'est joué de peur. Dommage. Mais c'est pas grave. On va envoyer Zigzag. On a Magikarp pour qu'il évolue. Parce que vraiment, j'ai l'avantage du type. Vous allez voir. Et là, je fais. Non, bon. Pokéball. Là, je bourre les boutons pour que ça marche. Et c'était pas presque. Allez, 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 allez. Mais non ! Magikarp, tu survis, hein. J'ai failli faire trempette. Non ! J'ai bourré le bouton 1 ! Aïe aïe aïe. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ce Caninos me résiste. Les chouilles. Oh. J'ai chier. Oh! Oh oui! Oh là, c'est gagné! C'est gagné, les amis! Il est paralysé! Tchim! Et voilà les génies! Est-ce qu'on voit que je suis un joueur de l'époque avec les Pokémon que je capture? La moitié de Pokémon, c'est la première génération. On va aller retourner au centre Pokémon. Incroyable. Caninos a rejoint l'équipe. Il y a des petits stickers à gauche. Attends, je vais me connecter en ligne, moi, ça. Connexion à internet. Renitox. Tu connais pas le nom en anglais, vite fait. Mais je galère déjà à les retenir en français, donc... Je veux recevoir des stickers, moi. Je veux des stickers. Ah, les gens de mes amis. Oh. Oh, c'est leur nom écrit en une langue Pokémon. À bientôt. On va changer un peu l'équipe. Allez, on va mettre deux. Non mais. Oh, c'était bien le tactile quand même à l'époque. Voilà. Wistampo, on va laisser un peu de côté pour l'instant. Et on va faire taffer un peu les autres qui prennent du retard petit à petit. Je crois que Pablo fait des échanges de Pokémon. Pablo qui a fini 9ème hier, Oppo. Quoi ça? Quoi ce Pokémon? Je veux savoir.
Je veux savoir. Un tournicoton. Il est mignon. Oh, c'est fort, hein. Ça baisse stack space en même temps. Quoi? Oh. C'est craqué. Non! Oh là 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 là. C'est la merde. On voit Kalinos. Il est fort ce Pokémon, moi je le veux. Est-ce que je le tue? Mais quel type? Il est plante? Je dis un plante, moi. Au combat. Ah, j'ai rien. Pas une morsure. Je vais essayer de l'attraper, on verra. On verra. Super. Bah, il a trop eu plus longtemps. Sont ceux qui ont décidé d'en élever un après avoir été charmé par sa manière de chanter en virevoltant au gré de la brise. Il type plante, hein, c'est chiant. Je pensais qu'il serait moins fait en même temps. Parce que là, le problème, c'est que j'ai déjà un plante. Donc, est-ce que c'est vraiment utile, tu vois, de faire ça? Incroyable, merci Mbubs. J'ai besoin d'avoir un plante en plus, on est d'accord. Ouais, c'est ça, faudrait que je dégage Wistompo, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Je sais que petit à petit, je vais me débarrasser de Papillusion dans la team aussi, alors que je kiffe. Zigzaton, je sais pas trop, Ténère, ça peut être cool. On verra, peut-être le Léviator qu'on gardera pas. Ça dépendra un petit peu des situations et de ce qu'on trouve, hein, j'ai envie de dire. Moi, je le connais, j'aime bien avoir un type plante, un type haut, un type peu, un type... Oh, Gazegai a fait un truc, apparemment. Un type vol. Un peu ce réflexe-là, quoi. Plus jamais. Oh. Bah, en fait, j'y ai participé. C'est pas grave, hein. Apparemment, tu l'as regardé. Alors, un petit coup plus. C'est chiant, ouais. Mais ouais, attends, ça fait... C'est... J'ai pas beaucoup d'attaques sur mes coups, quoi. C'est de la merde, vraiment, c'est de la merde. C'est exactement pour l'instant, il fait pas grand-chose. C'est un peu chiant, d'ailleurs. Zbilip. Zbilip. Ah. Ouais, ça sent pas bon pour Zigzaton, je pense. Qu'il va pas aller en feu, malheureusement. Putain, mais c'est plus fort, charge. Attends, comment ça se fait que c'est aussi fort? Parce que c'est physique. Les Zigzaton les meilleurs en physique? Je comprends pas trop. Griff, il me dit que c'est 40 de puissance, ça fait plus de dégâts que machin qui fait 55. Ça n'a aucun sens. Par contre, il tiendra pas Zigzaton malheureusement. Va falloir le soigner. Oui, il y a le stab, mais il devrait être stabé justement en ténèbres, Zigzaton.
Non, c'est exactement spécial Galar, il est ténèbre. Allez, ils sont au niveau 12, Magikarp. Oh oui, coup de boule. C'est trop fort ça. Ça c'est fort. J'ai battu Maya. Oh, elle est triste, regardez-la, elle va pleurer. Elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine. Je crois, hein. Xaton, résumé. Ténèbres normales, donc il a les deux. Fais voir, attaque SP 10, attaque 13. Tu vois, il n'y a pas vraiment de différence en plus. Donc, je comprends pas trop. Peut-être qu'il y a des... Ouais, je sais pas. En vrai, ça va me faire chier, ça. Voilà. Touloum. J'aime étudier les langues étrangères, l'informatique et les Pokémon. Espèce de geek. Du Pixar, tu vas avoir un Death Trevor, peut-être, ouais. Je sais pas. Un pan d'espiègle. Oh, je le veux. C'est chiant, il y a trop de chips maintenant, moi je sais plus gérer. Pourquoi je fais cher alors que j'ai coup de boule? Est-ce que je suis à Brutix? Oui. Il m'a retourné là. Combat c'est fort contre Ténèbres. Oh, moi tu sais je comprends rien. Moi je suis aux questions de base encore. Je suis aux questions de base. Là c'est nul par contre comme ça. Ah merde. Quoi? Mais c'est craqué. Attends, ils ont tous un seul Pokémon pour l'instant, ça se passe comment? J'arrive à la première arène, j'ai trop de Pokémon déjà. Non. Oh! Oh oui! Mais il y a trop de Pokémon, je sais plus ce que je veux! Pili pipi, pili pipi, pili pipi. Oh, il est prêt à tout donner. Attention, il est énervé le matchup là. Qu'est-ce que j'ai fait? Le câble. Le câble est coincé. La vidéo dure 59 minutes, YouTube comprend pas. YouTube de toute façon ne reste pas devant la vidéo. Il a bien raison. Attendez, j'ai le câble qui s'est coincé. Oh! En fait, j'ai branché le casque à la Switch pour le charger, mais il est en Bluetooth sur le PC. Je sais pas si vous vous rendez compte du Big Mac. Quel enfer. Mais ce Pokémon là j'ai déjà pris sur Let's Go je crois, Caninos en plus. Ça n'a aucun intérêt ce que je fais. Merde, je l'ai tué, fallait l'attraper, je suis abruti. Bon c'est pas grave. On en trouvera un. Ah oh, pour le toxique, pour un sport, pour un dodo. Ta 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 ta. De poison. Je sais pas s'il l'a eu. J'ai pas vu. Oh, il y a une CT là-haut. J'escalade. Mais le mec qui veut m'attraper. C'est du viol, monsieur. Attention.
Bon, les musiques de combat sont pas folles, hein. Faut dire ce qui est. C'est pas le truc sur lequel... À chaque génération, il y a un changement. Tu dis, ah, c'est cool, c'est différent, ça fait du bien. Saphir, c'était génial. L'OST, Perle, Diamant, était cool. Et t'as senti que ça s'est un peu régressé. La Noir-Blanc, c'était dégueulasse. XY, c'est un peu rattrapé. Lutte, j'ai oublié tellement c'était peu mémorable. Et là, pareil, c'est... Pas très mémorable, les musiques, malheureusement. Bah, bien sûr, je joue Roue de Feu. Ça fait quoi? 60. Comme morsure. Non, feu. Ouais. Tadam! Comme le Pokémon dans les personnes sur Smash. Ah bah oui, Nitox, forcément. Forcément. C'est quoi Smash? Merci M-Bub. C'est quoi Smash? J'ai envie de dire. Je trouve en plus, il y a aussi Age of Empires 2 qui est sorti là. Moi, je pense après le live là, hors live, je vais jouer un peu avec Age of Empires sur mon côté. Ça va être trop bien. Et si vous jouez Jeff Empire, vous? Prenez-vous Jeff Empire 2 Definitive Edition. Ça va être trop bien le jeu. Comment tu connais pas? T'es pas là quand j'y avais joué? Les mecs osent ne pas connaître Edge of Empire. Tu vas vraiment te dire ça, Nitox? Mais va-t'en. Enfin... Comment tu peux ne pas connaître Edge of Empire? C'est pas honteux, ça. Salut, Challenger. Tu avais la classe, ton uniforme pendant son ouverture. Merci. C'est un vieux jeu. Mais il est sorti cette semaine! Ils connaissent pas Age of Empires, les jeunes de notre temps? Puis il y a le 4 qui est le game trailer qui est sorti il y a pas longtemps! Oui, bah c'est Nabil. Il a pris un autre chemin. C'est ça. Et franchement, les gars, j'aimerais tellement pas être né à votre époque, vous connaissez pas Age of Empires, quoi. Ça va être tellement dur. Tu vois le bâtiment là? J'ai un conglomérat de chez Rose. Faites de la peine. Au bord de la route 3, il y a une mine. Le minerai extrait est transformé en énergie. Cette usine. Donc chez Rose, il va toucher à tout. Énergie des galards, c'est à lui qu'on le doit. Pardon, j'ai le chat en même temps parce que leur culture me donne envie d'arrêter le streaming, je pense. Je vais te montrer ça. Tiens, un petit cadeau pour la route. C'est une corde sortie, ça peut toujours servir. Et bah, c'est super. Mais il y avait des cordes juste devant. Tu sais, tu pouvais me servir. Ça. Ah bah, c'est sympa. Et on va profiter de ça, les amis, pour couper la VOD parce qu'il dure déjà plus d'une heure. Et de toute façon, déjà que personne ne les regarde. Si en plus, j'y mets pas du mien à faire des VOD courtes, on va pas y arriver. Des bisous, YouTube.